Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Toujours dans notre série de vidéos sur l'islam et les valeurs de la République, nous allons nous intéresser aujourd'hui, après la liberté, l'égalité, et bien nous allons nous intéresser à la fraternité. Donc la fraternité, bien entendu, c'est une valeur qui est fondamentale dans l'islam. Pour être bref, l'islam nous apprend à consolider deux liens. Un premier lien qui est celui qui lie l'homme à Dieu, et un second lien qui lie les hommes entre eux. Et ce sont deux liens qui vont avoir pour origine l'amour, mais qui vont se manifester ou s'exprimer différemment. Dans le lien qui lie l'homme à Dieu, Dieu a aimé l'homme, il en a fait son représentant sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. L'homme aime Dieu et donc il va entrer en paix. Aslama yuslimu, il va entrer en paix avec la volonté d'Allah et en toute humilité, eh bien, il va chercher à satisfaire son Seigneur. Maintenant, en ce qui concerne le lien qui lie les hommes entre eux, eh bien, ce lien d'amour, il va s'exprimer, il va se manifester par la fraternité. Et l'islam nous invite à vivre dans cette fraternité et va donner à la fraternité une dimension qui est très large. Et le Coran va nous évoquer, va nous donner différents types de fraternité. Alors tout d'abord, Allah nous parle d'une fraternité humaine. Le Coran affirme que les hommes, parce qu'ils sont hommes, ils ont la même origine. Ils sont tous les enfants d'un seul et même père, d'une seule et même mère, Adam et Ève. Et Dieu nous dit dans le Coran, ô hommes, faites preuve de piété envers votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé à partir de celui-ci son épouse et qui a répandu à partir de ces deux-là beaucoup d'hommes et de femmes. Également, Allah nous dit dans le Coran qu'il existe une fraternité spirituelle. Il dit, certes, les croyants sont frères. Il dit également, rappelez-vous le bienfait que Dieu vous a accordé lorsqu'il a uni vos cœurs et a fait de vous, par sa grâce, des frères, alors qu'auparavant, vous étiez des ennemis. Et le prophète Sanslam dit dans son discours, son serment lors du pèlerinage d'adieu, le musulman est le frère du musulman. Donc, deux, pour l'instant, on a cité deux catégories de fraternité, une fraternité humaine, une fraternité qui unit tous les enfants d'Adam. Une fraternité spirituelle qui unit les croyants. Et puis enfin, Allah a fait mention dans le Coran d'une autre forme de fraternité. Il nous dit dans la sourate 11, verset 84, aux gens de Midian, nous avons envoyé leur frère de Shu'aib. Aux gens de Midian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib. Il nous dit également, le peuple de Noé traita de menteurs les messagers lorsque Noé, leur frère, leur dit, ne craindrez-vous pas Allah. Et toujours dans la même sourate, Allah nous dit, les Ad traitèrent de menteurs les envoyés quand leur frère, Hud, leur dit, ne craindrez-vous pas Allah. Donc dans ces versets, Allah va qualifier de frères Hud et les Ad, Noé et les gens de son peuple. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils font partie d'une même tribu, d'une même nation. Bien que les Ad ne vont pas croire dans les messagers, eh bien, ils restent les frères de Hud. Parce que même s'ils ne partagent pas la même foi, ils n'ont pas les mêmes croyances, ils n'ont pas la même religion, mais ils partagent la même terre, la même histoire. Ils vivent ensemble, ils font face aux mêmes difficultés. Ils font société. Et pour exister en tant que tel, eh bien, il faut du partage, il faut de l'entraide, de la compassion, de la solidarité. Et eh bien ça s'appelle de la fraternité. Donc là, on est vraiment dans l'esprit de fraternité citoyenne. Et le Coran va nous parler d'autres types de fraternité également. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la fraternité. Comment la ressentir? Comment l'exprimer? Comment la manifester? Hein, parce que c'est un réel cheminement. C'est un effort qui est à la fois intérieur pour apprendre à aimer l'autre, c'est également un effort pour concrétiser cette fraternité, lui donner un sens, et que ce ne soit pas seulement un slogan, mais en tant que musulmans, nous devons vivre la fraternité. Donc encore une fois, nous avons ici, eh bien, cette fraternité qui, comme la liberté,
comme l'égalité est une valeur commune à la République et à l'islam. Et donc l'objectif, c'est de comprendre que notre foi est tout à fait compatible avec la République. Et il est vrai que nous vivons dans une société qui est composée de personnes différentes, une société plurielle, mais il y a tellement de choses qui nous unissent, tellement de points sur lesquels nous nous retrouvons, tellement de valeurs communes que nous ne devons pas laisser la place pour la division. Donc toutes ces valeurs-là, au final, eh bien, elles sont communes à la fois à l'islam et à la République. Et en tant que citoyen musulman, eh bien, apprenons à les vivre et à les mettre en pratique. Qu'Allah nous facilite.